Bonjour messieurs, salut tout le monde, je suis le Darodoc, j'espère que vous êtes tous super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une vidéo de Sanctuaire sur le jeu Sea of Thieves. Et aujourd'hui on va s'attaquer au Sanctuaire de l'étreinte inondée. Donc déjà pour ça il faut déjà se rendre à l'emplacement du Sanctuaire qui est à l'emplacement N11, entre N11 et N12. Comme vous le voyez juste ici, juste à côté de Shipwreck Bay. Donc écoutez les amis, allons-y. On arrive à destination, comme vous pouvez le voir, on a la marque violette qui est juste ici. Donc le but ça va être d'arrêter le bateau tout simplement juste à côté pour pouvoir ainsi plonger. Et puis putain, je te dis, vu le temps qu'il va faire, il va pleuvoir, la flotte doit pas être très chaude. Et puis pouvoir plonger ainsi dans ce fameux sanctuaire. Oh c'est sympa, c'est une épave. L'entrée c'est peut-être ça. L'entrée c'est peut-être cette épave là. Et oui messieurs dames, ça m'a bien l'air d'être ça au final. Comme à chaque fois, il y a 5 livres à récupérer et ici, le premier livre se trouve dès que vous êtes entré dans l'épave du navire. Elle se trouve juste derrière nous, juste ici. Ok. Voilà, donc là, on est déjà à 1 livre sur les 5. Pour le deuxième livre, les amis, il faut repérer du coup là l'avant du bateau, ici. Comme vous voyez là, de l'épave, l'avant de l'épave. Vous descendez, comme moi, là je descends exactement comme moi je fais. Et puis juste en dessous, comme vous le voyez là, vous avez une, vous voyez, c'est en dessous du bateau, hein, c'est en dessous du bateau. Vous avez une trappe que du coup vous pouvez ouvrir. Ok, donc ouais, donc elle s'ouvre sur moi, pas de souci. Et puis dedans, vous avez un autre livre. Donc maintenant, on va descendre. On descend au niveau là du coraux lumineux. Alors, faut taper dessus ou tirer, enfin bref, pour qu'il s'ouvre et qu'on puisse passer ainsi dans une autre salle. Et dès qu'on est passé de l'autre côté, comme vous le voyez, ici là, vous avez du coup le troisième livre. Ok, voilà, impeccable, messieurs dames, c'est beau ça. Ensuite, on sort de là, donc je retire sur le machin. Là, on peut encore descendre, plus bas. On voit qu'il y a une épave ici. Et à côté, là, sur la sorte de plateforme en bois, on peut y trouver le livre suivant. Impeccable. Et le dernier livre se situe tout en bas de l'épave. Vous voyez ici qu'on a un corail bleu qui se voit super bien. Et au pied de ce corail, comme vous pouvez le voir, on a le tout dernier livre. Hop là. Et donc une fois que ça c'est fait, on débloque les 5 bouquins plus, plus le succès du coup de l'épave. Et comme vous le voyez, une fois que ça se sera fait, les amis, vous aurez vous aurez débloqué la promotion des 5 livres trouvés dans l'étreinte engloutie. Et puis normalement au début, dès que vous êtes allé pour la première fois, eh ben vous aurez découvert le sanctuaire de l'étreinte engloutie. Voilà, vous aurez ces deux succès là. Voilà les amis, voilà qui en termine avec cette vidéo sur Sea of Thieves. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Darodoc. Merci de suivre, à la prochaine.